Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve avec MacLintor sur Salut tout le E4. monde. Ok, donc là on a regardé en fait que concrètement si je quand je vassaliserai Mantou et l'Aragon, bon bah techniquement il va pas se passer grand chose. Et on a regardé un qui risquait de faire mal et de faire très peur, c'est la coalition. Et on regardait, je lui dis oh là là, l'Angleterre il se prépare à me mettre sur le coin de la gueule. Sur ce quoi c'est Rekai, il me dit mais pourquoi? Je lui dis mais regarde, il y a des troupes anglo-saxonnes sur mes frontières. Et on regarde, mais non, il est en guerre avec Brabant. On se dit, mais pourquoi il est en guerre avec Brabant? Alors, si vous regardez l'Angleterre, vous êtes sur l'Angleterre, il est en guerre contre Ulm, Brabant et Nuremberg. On dit, waouh! Et on regarde l'intitulé de la guerre, c'est Ulm dans la conquête de Württemberg. Or, nous, on est les mecs super intelligents quand même, avec Serika. Enfin, surtout moi. Donc, on se met sur Ulm. Et quand vous regardez, hop, on a, ouais, j'ai niqué leur mère. Vous avez Ulm, qui est là. Donc, c'est Ulm, Nuremberg et. Ben maintenant il est plus. Et Brabant, en guerre contre quand même Ravensburg, la Savoie, Gênes et l'Angleterre. Les mecs, genre, ils ont peur de rien, quoi. C'est même plus des couilles qu'ils ont à ce niveau-là, c'est des putains de valises. Ah, Mantoue, il me voit arriver, l'autre il retourne vite, il fait hop, attends, bouge pas, je rentre chez moi. Trop tard. Avec ses 8000 hommes, j'arrive, mais bon, ma petite armée. La grosse armée, elle est là. On va sortir l'infanterie. On va les mettre à Urgell, histoire de. Le siège. Mais je m'en bats les couilles que t'aies fini ton putain de siège en Picardie. Je te demande de faire prendre le pouvoir. Ah putain, je vais être déficitaire. T'es niveau pépette, t'es comment? Je suis à 57, mais bon, je perds beaucoup d'argent. Ah putain. Où est-ce que je perds de l'argent, moi? Ah voilà, renouveler les taxes de guerre. Ouais. Putain, moins 9. Non mais la tête de maman, la vie de tata Monique. Ah c'est, je suis en train de siéger là-bas. Mantoue, ouais, comme ça avec Mantoue, je vais pouvoir rayonner tout autour. Ah, oh putain, je gagne 9 ducats. J'ai gagné un mois. De ben, toute façon, je te dirais bien, là, l'autre, une fois que je l'aurais saigné, le problème c'est qu'il a encore de l'armée, donc je peux pas dire entretien minimum de mes troupes. Ouais, c'est ça. Waouh! Ça rigole plus, l'Autriche est alliée avec Ferrare. Ah là, le pauvre autrichien, je dis, mais attends, il va faire quoi le français à Mantoue là? Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. N'aie presque pas peur. Ferme les yeux, Bouge dis-toi pas, que on c'est dit. t'explique. Ne bouge pas, voilà, on arrive. Le siège de Barcelone est terminé, ok. Moi je suis en train de conversionner, ça se passe plutôt bien. Conversionner. Ah! Donc ouais, du verbe conversionniser, oh ça va, je fais réviser les conjugaisons à ma fille, en ce moment je les connais les mots. Je cause la France moi. Je vais éviter de lui payer son. De lui piller. Ah non, Barcelone par contre, ça va être Toulouse qui va le maintenir. Voilà. Et l'autre là, c'est quand il veut qu'il me prend ces putains de territoires. Est-ce qu'on voulait vous gourer de prendre la dernière forteresse de Gandhar et sans qu'on puisse s'en débarrasser? Mantoue, est-ce que je peux faire. Ouais, allez, bim! 48 de military, on pète les murs. Et on va les défoncer. Et prenez-moi cette forteresse qu'on en finisse. Ah, la Bourgogne a quitté la coalition, l'Angleterre a quitté la coalition. Bon bah voilà. Le 42%, Hainaut a quitté. putain. Bon bah voilà, ma coalition vient de disparaître. Parfait. Je prends ça comme point administratif gratos, merci, l'event. Bon, où est-ce qu'ils sont ces pécores là? Si je pouvais les défoncer, je pourrais. Oh, t'as rejeté la paix, Kandar! Ah ouais. Bizarrement, je sais même pas ce qu'il voulait, Kandar.
Mais t'as Moi, ouf, t'as quand même des je vais 3 vouloir méchants. les Eh 300 merde, coteaux. j'ai pris un prêt de 302. Fais chier. Bon, bah, c'est pas grave, je vais rembourser là après. Voilà! L'armée est arrivée à Fort Calquier. On va leur dire de me lâcher. Si, on va leur dire de rester avec moi. Restez là. Ah non, les Toulousains, revenez, revenez. Venez là. Venez avec moi. Voilà, ils sont peut-être attachés là. Alors, que je lise l'offre de paix. 1, 2, 3, 4. Oh bien. Hop. Voilà, c'est bon. Ouf, j'ai rattaché les. L'Aragon, tu veux la paix, mais va te faire têter les yeux. Ah! Les rebelles vont renforcer leur demande. Boum, Ouais, ça c'est beau. trimé. J'aime bien le truc. T'as les rebelles qui vont. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, dans 2 mois, ils prennent. C'est bon, dans 2 mois, je change de roi. Je vais avoir un putain de roi qui tient la route et qui va envoyer du lourd, quoi. Bien. Bon, on s'en bat les couilles. On prend la dévastation à Mantoue. Le siège de Mantoue est terminé. Donc, Mantoue, tu deviens mon vassal. Tu me donnes toutes tes thunes. Hein, histoire 2. La coalition, je m'en bats les couilles. Voilà. Et Aragon. Aragon, tu deviens mon vassal. Ah bah tiens, je vais te forcer la religion. Et voilà. Voilà, bah c'est une très bonne nouvelle tout ça. Voilà. 2 vassaux de plus. Parfait. Les prêts. Oh mais j'ai pas les moyens. Les diplomates. Vous allez être potes avec mes sujets. Mes sujets. Ah ouais, il y a quand même du divertissement. Bon, Mantoue 45, Aragon 47. Voilà, on est plutôt pas mal. Anne, voilà, 3, 5, 6, mes rebelles ont pris le contrôle. Oh putain, conquérant le mec. Moins 50 séparatisme. Les forts. On les démobilise. Voilà. Ouais, moins 3,80, comment c'est que je veux? Il y a un pays qui s'appelle la Grande Horde qui n'a pas encore compris que fallait arrêter de protéger tout le monde. Du coup, est-ce qu'on va demander? Ah voilà aussi. Plus 15% de national tax et d'un coup on va être mieux au niveau pépette. Ah voilà. On va en envoyer un. Où est-ce qu'il peut y avoir des rebelles? Dans les Je sais Pyrénées. pas trop. Alors là maintenant on va dire mes zones d'influence. Les gars, je vous explique. Vous voyez où on est? Vous voyez mon pays, ben tout ce qui est frontalier avec moi, on veut. Ça aussi, comment ça mon allié nous? Ouais mais faut t'as des baskets. Ça aussi. Ça tu peux corer donc on veut aussi. Ça tu peux corer, on veut aussi. Ça on veut. La Bourgogne me kiffe. Le mec n'a pas tout compris, je pense. Ouais, mais c'est pas grave, moi je le kiffe aussi.
Mantou, tu vas me clamer tout ce qu'il y a autour de toi. Je vais pas le mentir, hein. Il y a des pays qui me kiffent, moi je kiffe surtout leur territoire. Hop. Alors, c'est vrai qu'en ayant chopé la Corse, ça me permet de claimer plein de trucs autour. La gêne de se dire non, mais non, arrête, sérieux, la France, t'abuses, là, on était potes. Non, non, on n'était pas potes, je te connais pas. La Corse qui va se gaver, On a là-bas pu être c'est potes, je sais pas, mais dans un univers alternatif, un truc comme ça. hop, ouais, mes territoires là. Cartagena. Allié avec Toledo et Tafilalet. Ah, il me dit, t'as trop de relations diplomatiques. Ouais, t'as la Corse, t'as l'Aragon, t'as Mantoue, t'as la Kabylie. Tiens, on va peut-être se marier avec la Kabylie, ça peut être pas mal. C'est quoi ça? Les Knights Templars. Occupé par des îlots catholiques. Bon, ça me va. Attends, c'est quoi là que j'ai vu? Azo, ah non, je crois que c'était à toi. Conversion successful. Ok, on convertit, on convertit. De toute façon, moi je te dis, en Italie, je ne passerai pas Rome pour refaire la pétarchie, et en Afrique, le faisant, je le laisse. Hein. D'accord. La paix, je n'ai pas trop empiété chez lui, je laissais bouffer s'il veut la péninsule arabique. Quarzemia, mais casse-toi le Quarzemia là, tu C'est sers à quoi rien. ce 11 000 hommes que je... Ah, c'est les rebelles, ça! Bon, on va prendre les canons, on va dégager le reste. Les cavaliers, on va les gicler. Là... Et deux, ça on sélectionne, on disbande. Le canon il va là et les deux ils vont là-bas. Là on les entraîne. Il y a quand même des gros bourrins. Qui ça? Nous? Non, on a fait pire. 11-9. Voilà, ma manpower. On va gagner de la manpower un jour. Par contre, le Commonwealth qui se tape avec la. Qui commence à se taper sur les pays de l'Est, là, surtout la Russie. Tant mieux, tant mieux! Lisez-vous. Je sais pas, j'ai souvenir d'un pays de l'Est qui était dans une collision contre moi. S'en fout, on est à lui, Danemark. C'est ça. En 1572, dans 11 ans, il aura gobé la Suède. Enfin, dès qu'il aura gobé la Suède, c'est vrai que c'est le seul qui a fait oh, vas-y, je me rebelle, c'est Norvège. Le Danemark, enfin la Suède, enfin la Norvège, ouais. La Suède, il fait non, moi je suis bien, je me kiffe. Je kiffe mon Là, maître. ouais, voilà, je remets mon économie d'aplomb, je baisse l'expansion agressive. Après, je sais pas qui défoncer parce que défoncer Carthagène, je me retrouve en guerre contre Toledo et Toledo, c'est un peu mon jouet. J'aimerais bien Si tu veux, défoncer bah. par contre Asturias pour libérer la Galicie. Au pire, si tu veux, bah, tu peux un peu défoncer en Afrique parce que c'est pas la même religion, t'auras pas beaucoup d'expansion agressive. Bah déjà, si je défonce en Galicie, il a pas de voisin donc ce voisin c'est moi donc moi et Tolède, et Tolède l'aime pas donc après ça que défoncer en Afrique ça peut être pas mal. Mais déjà aller défoncer le Knights Templar, mais tiens j'allais voir vite fait un peu mes vassaux là, est-ce qu'ils sont en galère? Oh, Ok. la grande horde explose, elle a arraché Bashkiri. Et c'est parti de Perm. Oh, c'est parti de Perm, c'est beau ça. Ah oui, t'es en guerre contre lui, contre la Grande Horde, c'est beau ça. Ouais, encore une fois, parce qu'il s'amuse à protéger un peu tout le monde, il protège la Géorgie. Il protège ou c'est des tribus?
Distributeur, ouais. Ah, c'est C'est pareil. pareil. Ah si, c'est En pareil, fait, les il est dans une tribus, guerre. c'est l'ancêtre de la mafia. Si je déclare la guerre à Asturias, je me retrouve en guerre contre les Knights Templars et la Lusitanie. Limite, je pourrais m'amuser à leur mettre sur la gueule. Histoire de Vas-y, dire. pille, exploite, Et je prendrai la conquiert. Galicie, ensuite je libère la Galicie. Et la Galicie, je le fais. Ouais, ah, Brabant, Léon. C'est vrai que je peux prendre Brabant aussi. Limite, je me mettrais bien sur la gueule. Ouais, non, je vais attendre que mon manpower remonte parce que là, je suis Ah. à. Pff, même pas 50% de mon manpower. Là, mes mecs, ils font des pompes et des tractions. Ce que j'aime bien, c'est Mantoue. Le mec, ah non, mais comment je t'aime trop pas que tu m'aies conquis, t'es un fucking bâtard, quoi, le français et tout. Je vais me libérer de mes chaînes et je vais me barrer, je vais t'enculer. T'as dit, ouais, mais du coup, t'es au courant que t'as un peu Milan d'un côté, t'as un peu Gênes de l'autre, et. Non, mais je t'emmerde. D'accord. Venise a une collection militaire contre moi. Venise, vu que c'est la cité-État, c'est plus une grosse peur. Putain, le dragon, le mec, il me paye 1,06 par mois. Un 0,6 par mois, alors que le mec, développement, il a 3 provinces, quoi. Par contre, les Rita avec leur putain de sorte de conversion commencent à me gonfler. Ouais. En fait, je me casse de la Ligue, de la Ligue catholique, hein. Je ferais faire pareil. Ouais, comment on fait pour casser, pour se barrer? Tu cliques dessus. Tu cliques sur le petit bouton, quoi, là. Ça y est, je l'ai guidé? Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que ça va être les protestants qui vont gagner, je serai jamais empereur. Bon, on s'en branle en même temps. À tous les coups, tu vois, il va tellement rien se passer que tu verras que. Ah bah non, il y aura le traité de Westphalie, hein. Ah, parce que t'as le Commonwealth en face, c'est vrai que. Après, t'as le Commonwealth, s'il serait élu empereur, si. Quand Clotilde meurt, c'est lui qui va être l'empereur. Le mec, il va être élu empereur alors qu'il soutient le. Les protestants. Ouais. Putain, je me suis encore fait convertir une province, quoi. Fais chier. Non, genre pas Paris, con. Paris qui va être converti. Non, mais sérieux, quoi. Putain. Ah bah, le Commonwealth, vous perdez contre la Grande Horde? C'est bizarre. Non, le Commonwealth perd contre la Grande Horde. Ouais, ils ont pris une bataille, là, ils se sont fait défoncer. À ce moment-là, peut-être laisse le. C'est qui ta guerre initiale? C'est la Géorgie? Ouais, Limite, il y a laisse la la Grande Grande. Horde, hein. Laisse la Grande Horde s'amuser avec le Commonwealth. C'est ce que je fais, hein. Je vais juste aller en Quarzemia, histoire de pouvoir virer la Quarzemia de la guerre. Et puis franchement, il devrait même pas exister. Hein. J'ai l'impression que le père, c'est un peu le nouvel Ottoman là, dans ce mode. Ouais, un petit peu peut-être. Ah, j'ai quoi qui est arrivé là-bas? La colonisation est arrivée en chez moi, enfin au nord. Ah. Bon, la presse écrite. Putain, en Savoie, il y a tout, quoi. Et la presse écrite, la colonisation arrive en Savoie, quoi. Faut qu'on m'explique comment ça peut arriver en Savoie. Ça arrive en Savoie. C'est pas arrivé en Italie, mais ça arrive en Savoie. Faut qu'il m'explique comment. Colonialisme, je sais toujours pas ce que c'est. Presse Ah écrite, putain. c'est à peine arrivé à Bidance. Bon bah les Knights n'existent plus. Bon bah, fait... ah bah oui, t'as fait la latte. Ça La j'aurais Hongrie, bien c'est une mettre. collision contre moi, mais casse-toi la Hongrie, tu Ça crains. j'aurais bien mettre sur la gueule de l'Asturias, hein, quand même. Ouais, bah je pense que c'est ce que je vais faire. Oh putain. Ta fialette, il est un peu motivé là. Sujet en mode
mode siégez-moi tout ça. Ok. J'ai un prêt qu'on pourra rembourser plus tard. Et il y a eu le tuning de fin d'épisode. Bien, je vais bientôt virer la grande horde, enfin je vais essayer. J'ai un truc. Le Corzimiel est ridicule, il y a une forteresse à capitale, c'est même pas une forteresse, c'est juste le fort niveau 1. T'es lamentable pays. Tu veux faire ton offre de paix maintenant ou Non, on c'est arrête bon. l'épisode et tu fais au. On la fera plus tard. Quand je ferai D'accord. des trucs plus intéressants. Ça marche, ça marche. Bon, donc les gens, on va s'arrêter là. On vous Oui. dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde! Au revoir les gens!